La qualité du lait, c'est un esprit d'équipe. Avant de venir chez Orial, j'ai fait un bac électrotech et un BTS maintenance classique. Après, j'ai fait 10 ans dans les jeux de café, j'ai fait du traitement de surface, j'ai fait de la découpe laser, mais toujours en maintenance. Et après, en 2014, je suis arrivé ici, sur le site de Cambon, pour apprendre le métier de technicien frigoriste. Le métier de technicien frigoriste, c'est surtout commencer la chaîne du froid du lait. Le lait arrive directement dans le tank que nous dépannons, et il est chaud, et il faut le refroidir avant qu'il soit collecté, et ainsi à partir dans les usines. Donc il est important que cette chaîne soit respectée pour que la qualité du lait soit optimum à l'arrivée à l'usine. Pour être un bon technicien frigoriste, il faut surtout avoir une bonne analyse pour trouver la panne, identifier le plus rapidement. Parler à l'éleveur, c'est très important. Ce que j'aime en particulier dans mon métier, c'est le côté autonome, mais le côté aussi relationnel avec l'équipe et avec les producteurs. Ce qui est bien, c'est que c'est pas monotone, on sait jamais où on va, on voit jamais les mêmes gens. Et ce qui nous permet aussi de s'enrichir tout simplement des métiers de chacun. Et il y a plusieurs journées types. Il y a la journée où on arrive à l'atelier, on débrief des pannes de la veille ou du week-end et on se dispatche les pannes. Chacun part dans son secteur à faire les pannes. Et autrement, une journée type autonome d'un technicien frigoriste, c'est d'aller faire du préventif, c'est-à-dire aller voir les éleveurs et faire un tour de matériel. Donc on a quand même les horaires de 8h le matin à 17h le soir. Les week-ends, c'est important, on est d'astreinte. C'est un week-end sur 5, un week-end sur 6, qui nous permet d'intervenir ou de dépanner par téléphone. On dépanne pas très tard, c'est rarement la nuit. À mon arrivée chez Orial, ce que j'ai apprécié le plus, c'est le côté formation. La formation de frigoriste que je n'avais pas, et j'ai été formé sur le site d'Orial et dans les sites de formateurs. Il y a un très très bon relationnel d'équipe. L'expérience se transmet de gars en gars, quoi. Et donc moi je prends plaisir aussi à former ceux qui arrivent, parce que c'est important de pouvoir se former sur ce genre de métier, car c'est beaucoup de l'interprétation. Et l'interprétation, ça s'apprend avec le temps. Ce qui me plaît chez Orial, c'est l'écoute. Dès que je suis arrivé, il y avait une bonne écoute. Et le côté formation et matériel, quoi. On a vraiment tout le matériel qu'il faut, en sécurité, et ça, c'est important. Ah ouais, on est très bien ici, franchement, il faut venir travailler chez nous. On est une très bonne équipe.